Et le départ est bon pour lancer ses athlètes. Allez Adèle. Avec pleine piste, donc les trois concurrents entre eux d'une bourrassée qui devrait faire 1 et 2 sans doute. Voilà, le départ est bon donc avec un départ tonitruant de Constance Natacha Ngoy. Voilà, Natacha Ngoy et les autres, bien entendu, hein, je vous rappelle, hauteur de 23 secondes sur la distance. Natacha Ngoy et Kamabi, du 7-76 qui va allez, Kenza largement remporter cette série. Voilà, bon départ également pour cette deuxième série avec un départ là, beaucoup plus homogène entre les cinq athlètes, même si Eglantine Coupard semble avoir pris les devants au couloir 5. Allez Solène! Eglantine Coupard, donc au couloir 5 qui mène ce 200 mètres, l'athlète des Rouen Normandie Athlétisme. Voilà, également le départ est bon pour l'ensemble de ces athlètes et ça a l'air de bien parti au couloir 4 et 5 pour Lorraine Acker et Lucille Fermé. Et c'est même au couloir 3, donc Julien Lovisac. Et ça revient à l'extérieur pour Lorraine Acker ou Lucille Fermé. Alors là, c'est... Là également, un bon départ également pour l'ensemble des athlètes avec un départ très très rapide donc pour Emma Toukma de Val d'Oriacé. Allez jeune. Pardon, c'est Lucerore Abissa, donc au couloir 4 qui va remporter devant Sarah Mille et Alicia Alexandre en troisième position. Et c'est Seco Camara au couloir 6 qui va l'emporter. Allez. Voilà, et donc c'est Zoé Le Moine. Allez, Billy. Qui mène. Allez. Allez, Billy. Essaye de combler le trou là, parce que ça va pas plus vite. Allez, Milly. Allez, 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 allez. Allez, Hugo. Tu peux l'amener jusqu'au 2000, hein. Je t'autorise. Allez, Alexis, tu suis, tu suis, tu suis, tu colles. Allez, passage donc en 1,28 aux 500 mètres. Donc on est sur les bases donc de 2,56 au kilo. Il va rester 3 tours pour la tête de course. Allez Alexis, allez. Allez Alexis, c'est maintenant, hein. Allez Alex. Allez, Alex. C'est maintenant. Allez, 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 allez. Allez, ça va être sous les 9, 8,57 sans doute dans ces eaux-là. Et maintenant, c'est donc une fille qui mène la danse dans cette épreuve. Azinis Foro du Rassé devant Andrea Lavoine. Allez, 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 allez
Nathan Le Tendre, donc le littoral fréquent pour athlétisme. Et voilà, c'est parti donc pour cette première finale avec bien entendu un départ ultra rapide de Natacha Kamabi. Voilà, Natacha Kamabi qui va chercher sa meilleure performance de tout à l'heure. Allez Kenzo, au bout. Même si c'est à l'extérieur, Églantine Coupard-Coutard qui va aller remporter cette seconde finale. Allez, c'est parti pour cette seconde finale, donc plus homogène au niveau des 6 athlètes. Le concurrent de Chartres également, donc Massamba et Tom, mais je pense qu'il y a un absent, donc au couloir 3 sans doute, c'est parti très très fort à l'extérieur, donc avec Louis Mendy et Yoni Presto, les deux, le concurrent de l'Héro AC et du Stade Sottevillers. Là, Yoni Presto à la lutte, donc avec le concurrent de l'Héro, et c'est Yoni Presto.